Putain, je t'aurais fait du kill, hein, putain. Oh là là, c'est une boucherie, mais roumain! Oh, mais italien! Ils sont à 50% de MP! Allez, on arrête! C'est catastrophique, c'est un bain de sang! La décembre 44! N'empêche qu'on est historique, hein. Je suis dans les Ardennes en décembre 44. Victoire à Mons, putain, ça a été sanglant à Mons, hein. J'ai pas osé Ouais. regarder le nombre de pertes, Ouh, ça a été mais très sévère. Ça a été très sévère. ça a été particulièrement sale, je pense. Je crois qu'il y a eu 80 000 morts. Ah ouais, quand même. T'as pas fait dans... T'as pas été finaux, la Youn Star, quand même. 89 divisions! Oh la vache! Ça fait quoi? Ça donne quoi au niveau barre? Dis-moi, je suis en train de faire du redéploiement, donc je suis pas à la bataille. 60-40% à peu près en ta faveur. Oh ouais, ah ouais, non, non. Ça passera pas. Hop. Et vu que tu viens de me saigner, déjà, enfin, on vient de se saigner. Ah bah, les Roumains, ils encaissent moins bien que les Allemands. Ouais. Bon, ces dives anglaises là à Paris, elles vont arrêter Comment ça? de se toucher dans le Georges V et elles vont aller au combat. Au Georges V, au Georges V, comme dit Jacques Brel. Je vous ai acheté des bonbons. Je crois que c'est ça la chanson plus Je importante. sais, je Pourtant, sais je peux te pas. dire que là, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est vraiment le truc, tu vois, je m'en branle. Je m'en branle. J'ai honte, j'envoie genre une vingaine de bombardiers navaux en ground support. J'ai trop d'avions, j'ai trop d'avions. Je dois être à 70 unités aériennes sur 3 bases. Oh punaise! Ouais, mais Andes les mignons, mes avions à moi, tous mes bombardiers et compagnie, j'en ai chié hein, de la force aérienne. Le Reich millénaire là. Yoon, veux-tu m'envoyer environ 700 d'argent pour une bonne cause? Pardon? 700! Oh le mec! Ça, il veut 700 de thunes, tu sais! Ouais, mais le souci, c'est que c'est moi, je suis obligé de conserver mon fric parce que bah, je vais lancer un projet qui va me permettre de doubler ma production de têtes nucléaires. Ah, ok, mais gardez alors. Ouh, je me fais piluler à Mons. Là, ça va passer à Mons. Oh oui, oh là là, 34 divisions. Ouh là là, on va se replier. Victoire à On va Mons. pas être trop gourmand. Ici, on va se calmer aussi. Pause. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, nous venons de croiser une flotte allemande. Oh, c'est mes sous-marins, ça! Dégage! Ah oui, oh, ils ont mangé cher en plus. Ouais, j'ai pas vu, hein, très honnêtement. Bon, là par contre, on va arrêter, hein, ça Oui, passe pas. à Bruges, t'étais en train de t'empaler là. Hein. Ouais. Le Jap a débarqué en Afrique. Ah, oh mon dieu! Où ça? Oh oui, c'est beau! Amour revient! Le corps expéditionnaire japonais arrive en Afrique! Il va backstabber l'anglais! Sérieux. Et il a aussi débarqué au Moyen-Orient, hein! Koweït, Bassora! Kat vient d'abandonner le Moyen-Orient! Bon bah puisque là je t'ai annoncé la mauvaise nouvelle du Jap, est-ce que tu veux une bonne Oh, nouvelle? il y a une nuke qui va arriver! Oui. Je peux en créer maintenant. Putain, il Bon, m'attaque il y avec a 6 75 divisions, divisions! Oh putain! 6 divisions irlandaises qui viennent d'arriver. Tu peux les envoyer où tu veux. Oh, il y a 68 divisions alliées qui attaquent! Ça va les gars, j'ai compris, pas la peine de taper! J'ai grillé du pétrole hein, quand même depuis que je suis à la tête des USA. Et moi, maintenant que vous m'avez sucré Bakou, ça baisse un peu quand j'attaque, hein! Malheureusement, prenant l'Iran, les aéroports seront plus à portée. Et je sais, c'est pour ça que j'ai rushé, que j'ai mis beaucoup dans cette offensive, hein, parce qu'il faut que je sécurise Bakou. Tu la sens passer à Chaumont, hein? Ouais, ça fait mal là, j'avoue. Les Américains passent à la contre-attaque! Le Japonais a annexé le Libéria! Pardon. Putain, je... Bon, ce programme, hein, de toute façon, Hey qu'est-ce qu'il peut faire en Afrique? Il vend du rêve, le Japonais, quand même. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en Afrique? Rien, rien, là, c'est pour le troll! C'est beau! Ah, pour troller Hitler, là. Alors, à Chaumont, ça donne quoi, Youn Star? Ouh, je prends une dose, ouais! Allez hop! Pépé, il va se replier! Pépé, il a pris cher, là! Ah, c'est dommage, j'avais une nuke pour toi. Oui. Ah, déjà? Oui, je l'ai. Oh putain, il a une nuke! Il a une nuke et je viens de couler 7000 tonneaux de convoi anglais! T'as fini? La Suède est sous attaque. Sous attaque. Non, non, mais c'est bon, là, il a reculé. Putain, c'est stack monstrueux de division, j'arrive même pas à voir Eh, correctement. c'est hardcore, hein! Pépé fait de la patrouille, hein, il veut pas voir ma nuke. J'avoue que j'ai un peu peur. Oh, allez, putain, mais je coule ce que je coule en convoi anglais, c'est beau, hein! C'est dégueulasse. Tu vas l'avoir, ta nuke, je te fais la promesse, tu l'auras. Elle te fera aussi plaisir que si je te spermais à la gueule. Oh yeah! Je sais que t'aimes ça, je sais que t'en rêves. Oh oui! Ce nectar divin qui est le mien. Ah putain, ça aura été sévère hein, quand même en France. Hein. Ah, c'est sale là. Hein. Mais là, c'est un statu quo. Hein. Ouais. J'ai envie de faire péter ma nuke, mais là, pour l'instant, je préfère être patient. Je veux le gros stack. Qui a de l'argent dans le monde, Kat? Toi? Le russe, peut-être? Toi? C'est Oui. tout? Ouais, le Jap débarque du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, il a débarqué en Irak et tout. Hein. Regardez en Irak ce qu'il a avancé. Je vais aller tout lui prendre. Voilà. 500 de thunes.
Parce que dès que j'ai 2500, je fais péter mon event, ça me fait x2 d'ogive. Ah ouais, x2 quand même. x2. Rien que ça, x2 quoi. Oui. C'est pour ton plus grand plaisir, Pépé. Oui. C'est-à-dire que faire ton bonheur est ma priorité. C'est cela, oui. C'est cela. Ah. Putain, mais le Jap, il est monstrueux. Je vous ai dit, hein, l'AI démoniaque Jap, elle va... Elle envoie du steak, hein. Elle est impressionnante, hein. Ouais, ça c'est clair. Je vais faire la jonction avec le japonais. Ils vont se serrer la main. Ouais. Ah oui. Première fois. C'est bon. On se bat ensemble depuis des années, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. On est même pas alliés, hein. Tu vois le genre, hein. On se déteste, hein. Il veut. Ah bon, il t'aime pas? Non, il me déteste. Oh, j'ai encore du tonneau qui coule. Tiens, il est de retour à Mons. Oui. Je suis de retour. Pour me jouer un mauvais tour. Absolument. Pour proposer au monde une dévastation, afin de rallier tous les peuples d'Europe à ta nation. Putain, j'y crois pas. Le discours de Miaous, quoi. Oh, 46 divisions, mon dieu. Ouais. Désastre. Hein. Oh, mais quel crétin. 4. Ah, j'ai détruit les deux unités aériennes à Keut. Les avions. Je pensais pas que ça passerait, merci. Où ça? À Keut, mes avions, mes bombardiers strat qui faisaient la navette. Bon, après, tu vas me dire, hein, c'est pas des bombardiers strat qui vont véritablement m'être utiles. Si le front est tellement agréable, je vais pas regarder partout. Le front est tellement grand que qu'est-ce que je dois dire? Ça attaque dans le nord, avec combien de divisions? Il avec 8 divisions. Il y a renfort. J'ai pas de renfort. À Bruges, on est encore une fois en train de se saigner. Ça fait mal à Bruges, hein. Victoire face au Japon. Oh, 20 000 morts. Eh oh, je vois les divisions japonaises! Division de marine et tout, eh, putain, ça y va, hein. Ah, le Jap tente de débarquer en Australie. T'es les chauds, le Jap! Il est bouillant. Il débarque partout. Putain, Bruges, cette boucherie! Arrête! Oh non, pour l'instant, je vais pas encore estimer avoir perdu suffisamment de monde. Défaite à Bruges, GG. Grosse bataille, j'oserais dire, même. Oh putain, il a passé la Suède. Il a réussi à gagner. Oh mon dieu, les stacks d'armée qu'il y a maintenant en France! Mais là, je le tiens pas le front, hein. Putain. Verdun. Ouh, la petite contre-attaque. Oh, tes Allemands sont dirigés par un Hongrois, c'est bon. Ne te moque pas, Younster. Ah non, il s'appelle Magarosi. On la regrette, la ligne Maginot, hein. Ah putain, mec, si j'avais ça. Vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Je t'aurais bien dit mon chou, mais bon, quand même. On n'a pas gardé les cochons ensemble, Younster. Oh, non, mais bon, tu sais, Kat, je lui dis tu maintenant. Oh, quand même, tu oses, bah, bravo. Oh, TP australien, hein. Du 7000 tonnes de convoi, mais c'est beau. Oh, surtout qu'en plus, il y avait une division dans le truc australien. Ah ouais? Ouais, c'était une division australienne, je sais pas ce que foutait là. C'est sûrement moi qui l'ai oublié, il y a très longtemps. Putain, les transports américains en Méditerranée, allez, j'en ai un à moi. Mais pourquoi tu les déplaces, Kat? Ah, mais il y a mes avions à l'entour. Ah, ils étaient là, mais pas de vol. Pas de bol, je les ai... Ah si, ouais. Ils ont catché et en même temps j'ai bombardé. Ouh, là ils prennent cher mes bombardiers navaux. Ok, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Oh putain, le Jap, selon mes services secrets, a 367 divisions d'infanterie. Ouais, c'est ça, ça correspond à ce que je vous disais, hein. il en a une chier. Hein. C'est juste monstrueux. C'est affreux, hein. Allez, on se refait une petite... on se refait une petite danse. Ah, ça y est, t'es chaud. Ouh, ça va passer en plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, une terroriste. Un sabotage. Ce film est tellement génial, tu vois. Oh, j'adore. Armée à Belfort. Oh, monsieur, mais le paquet à Belfort, ça y est. Oh, oh. Regarde ce qui arrive au Danemark. 35 divs. Non, mais t'inquiète pas, il pourra pas passer à la limite, tu lui laisses reprendre le Danemark, c'est pas trop un problème. Hein. Tu dégages et puis c'est réglé. Oh, je laisse pas perdre les types qu'il y a dessus. Dans les eaux de Mourmansk, qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Ouais, je voyais des navires, mais c'est fausse alerte. On a plus beaucoup d'acier, Pépé? Oh si, j'en ai... Ah non, j'en ai que 98 000. Il me faut Kiruna. Vous savez ce qu'ils vont faire à Kiruna prochainement? Ils ont découvert des nouveaux gisements qui sont sous la ville. Tu sais ce qu'ils ont proposé aux habitants? Ils vont déplacer la ville à l'identique. Ils vont tout raser, faire la mine. Ils vont déplacer la ville à l'identique à 10 km. Oh là là, il y a Belfort, ça continue. Oh, ça va craquer chez moi à Belfort, là. Victoire à Belfort. Ah, GG. Mais par contre, je vais pas y aller tout de suite. Je vais pas y aller, hein, parce que je me mange une contre-attaque à l'arrière. C'est probable, oui, Younster. Ah, c'est en train de craquer à Bruges, mais bon, tu t'es saigné autant que moi, presque. Je sais pas si t'as remarqué, mais toute mon infanterie commence à donner de la méca. Non, je m'occupe pas trop de savoir un peu ce qu'on a. Je crois qu'il a autre chose à foutre que regarder ton infanterie. Alors, j'ai les turboréacteurs tactiques. J'ai 816 points à mettre dans les upgrades. Ah, infanterie 45. C'est rare de faire ça avec l'allemand, putain.
72 divisions japonaises? What? Sûrement vers Rangoon et compagnie. Ah, le japonais, il envoie du stock. Il a pris Hobart au sud de l'Australie, les gars. Il a pris Hobart. Ça fait un moment, ça. J'avais pas vu, moi. Oh, allez, encore du convoi anglais. Arrête. Putain. Je sais pas combien j'en ai coulé, mais c'est... Oh, ça doit être assez violent. T'étonnes. Et là, ça fait longtemps que t'as pas coulé de U-boat, en fait. Ce qui fait que je commence à avoir une masse critique dans l'Atlantique. Oh, y'a de la garnison à Trondheim, bande d'enculés, quoi. Vous m'envoyez de la garnison. Ah, vous êtes lâche. C'est pour moi qui gère ça. C'est toi, espèce de petite garce. Attends. Hey, le pauvre 4, il joue avec les fonds de tiroir. Moi, je monopolise tout le reste. Oh, 17 divisions. Attends, d'où ils sont 17? Y'en a qui sont en train d'essayer de débarquer. Putain, merde, j'ai pas vu. Le japonais? Il a débarqué en Anchorage. Ah, le japonais qui a posé pied. C'est beau, c'est beau. Ouais, il avait déjà pris d'autres charbords. Non mais il croit quoi là? Il veut me faire du loggy comme tentacle. Ah c'est ça que t'aimes Youngstar. Ah j'adore ça. Ya ya ya. Ya mes TV. Ah oui. Ah exact. Je vais perdre de la div au Moyen-Orient. Vas-y pète tout hein. Oh putain mais d'où il sort toutes ces divisions quoi? Oh les convois anglais. Oh le petit transport anglais. Sans envie du réseau. Ouais t'en sors bien hein. Aucune perte en plus. Oh mais c'est sale quoi. Oh et je coule du convoi. Yeah. D'ailleurs, on va renvoyer des U-boats dans l'Atlantique, hein. Il y a des marées noires partout. Oh, ici, ça doit être affreux, les marées noires. Hein. Oh, infanterie 45, oui, ça fait plaisir, ça. Putain, il va y avoir l'Américain et le Jap qui vont se taper dessus au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Oh, Galicia Banks, allez, 7000 convois. Arrête. Je commence à avoir 15 U-boats dans l'Atlantique. Que des bonnes nouvelles, à mes oreilles. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Ça commence à me faire chier, surtout. Ouais, tu m'étonnes. Allez, encore 4000 tonneaux. Ça rentre. C'est rentable, hein. Poulet, encore 10 000. Et là, ça coûte beaucoup en ce moment, hein, j'avoue. Là, Je vais aller voir ce qui se passe au Orage, là. Le mec, il y va de temps en temps, Orage, tu sais. Orage au désespoir. Orage au désespoir, ouais, c'est ça. Ouais, tu te rends compte, Kat, la honte, que mes divisions sont commandées par un commandant du bout de temps. Ouh, les tacs américains. Oh, mange la pilule, mange. Oh, c'est sale. Oh, putain. Prends pas trop de risques hein, non plus, hein, en Moyen-Orient, il y a des moments où faut savoir s'arrêter. Mais non, reviens à Istanbul et à Izmit, Athènes. Si l'Américain veut venir me mettre un coup de bite, pourquoi pas. Oh la chasse. Oh la couverture de chasse sur les tirés à vous. Oh là, ça fait mal. Oh ça fait mal. Surprise, motherfucker. Où ça pique? Ah où ça pique? Ça pique. Ok, je sors plus, hein. C'est bon, j'ai réussi à m'enfuir, lâchement. Je m'enfuis. 104 divisions. Oh putain, t'es... Bon, heureusement, j'ai eu un renfort qui est en train d'arriver. Y'a la même chose en bas, hein. Regarde, 74 divisions à Chaumont, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas voir, hein. Ah non, si, voilà, c'est parti. Oh la masse, oh la vache. Attends, je vois. À l'attaque. 74. À l'attaque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En avant toutes, messieurs. Victoire à Nancy. Oh, Bruxelles, putain. Ouh, 104 contre 46. Y'a de la viande, hein, comme on dit. Mon dieu, cette bataille ici. Pff. Oh là. Y'a tellement de divisions. Mais ces stacks sont plus grands que les miens, c'est pas juste. Victoire à Bruxelles. Mine de rien, on est presque historique, hein. 14 mai 45. Le japonais tente de débarquer en Australie. Encore? Mais il arrête pas cet enculé, hein. Ouais, seulement je lui ai envoyé de la div à l'Australien. J'ai une seule division et il est en train de me battre. C'est bon. Non, c'est moche. Est-ce que j'ai pas une... Elle est où? Allez, le japonais! Pas prendre Sydney! Oh, je coule du convoi anglais. Encore et toujours. Le russe demande les territoires déclinés. Zep. Oh, t'es vraiment une infecte pute, Youngstar. Alors merci, venant de toi, je le prends comme un compliment. Attaque nucléaire à Arlon, j'ai 48 divisions à Arlon. Oh là là là. Et regardez la manpower, ce qu'elles ont pris mes divs. J'ai pris genre 30% contre-attaque sur toutes mes divs. Oh là là, c'est catastrophique. 70 divs qui attaquent. Repli général. Berlin donne l'ordre de se replier sur le Rhin. On le retraite, parce que là, je me fais exploser. Oh là là, la pilule. Oh putain, l'état des divisions. Oh, c'est affreux. Putain, mais c'est comme si tu sortais genre de 6 mois de bataille, quoi. Ah, c'est sale,
il y a des divisions, elles sont encore plus, elles sont genre à 30% de force. Oh là là. Les points dans le renforcement ont dû un peu augmenter là. Hein. Regardez, figure-toi. On va aller voir en vitesse. Oh là 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 là. 83 points en renforcement. Une nuke. On aurait-tu une deuxième par hasard? Et non. J'en ai pas d'autres. En panique, l'OKV donne l'ordre de se replier derrière le Rhin. Le génie reçoit l'ordre de faire sauter les ponts sur le Rhin. Ah, c'est facile quand on a des nukes, hein, Youngstar. Hein, la vie est belle, bah, écoute, hein. T'avais qu'à faire ce genre de tech. Y a du monde. Putain, je crois que c'est 76 divisions sur une seule province. C'est beau, hein. Oh putain, je vois rien. Mais non plus, il y a trop de stacks. Oh là 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 là, c'est bon. Heureusement, je me replie en bon ordre, hein. Les Panzers assurent la retraite. En plus, forcément, la nuke correspondait avec la grosse offensive de printemps. Ça picote. Là, on va se replier. C'est quoi les stacks? 77 divisions allemandes. Tu les auras pas, celle-là, fils de pute. Putain, t'aurais dû attendre que ma nuke... Oh putain, j'aurais dû nuquer ça. Non. Allez, la moitié de l'armée allemande explose. Je coule les convois pendant ce temps-là dans l'Atlantique. Les sous-mariniers allemands vengent leurs frères brûlés vifs, irradiés. Ce carnage. Ça, t'es content toi là avec tes nukes, hein, fils de pute. En plus, t'as fait les events là pour en avoir encore plus vite. Ouais, mais je pourrais pas en avoir une avant un bon moment, donc... Oh non, mais j'aurais dû déclencher l'offensive cheat, ça aurait été encore plus drôle. Oh, ça va, hein. Ça va, on va pas... Ça va. D'abord, mes divisions, ensuite, mes chaussures. J'aime quand ça fait bon. T'as perdu combien d'hommes en une nuke? J'en sais rien, mais énormément. Dis-toi que sur les 48 divisions, tout a pris minimum 25% de pertes. Si ce n'est plus. Instantané. Plus, il y a aussi beaucoup de divisions qui sont à 50, voire 40%. Donc, c'est... J'ai dû prendre 100 000 morts dans ces eaux-là. 200 000 peut-être. Je dois encore mettre 87 points de renforcement. C'est juste monstrueusement efficace en armes tactiques. Oh putain, son stack 68 divisions. Oh la vache. 74 divisions à colloque. Le stack. Ah. Oh, le Luxembourg. Oh, Youngstar, tu es généreux. Merci. Le grand duché de Luxembourg, quoi. Attends, c'est une pupette des USA, c'est qui? C'est Charlotte. Charlotte, elle s'appelle la salope. C'est Charlotte, la présidente, voilà, Charlotte. Branle, Charlotte. Et c'est René Blum. Est-ce que je libère les Wallons? Ouais, vas-y, libère, fais-toi plaisir. Allez, on va rigoler un peu. Les Wallons. Allez, encore du convoi anglais et de l'escorte, oui monsieur. La guerre dans l'Atlantique n'a jamais été aussi rentable que maintenant, quoi. Ce matin, à 7h05, à Mannheim, non loin de Düsseldorf, au quartier général de l'OKV, une violente explosion a été entendue. La salle de conférence numéro 7, où Hitler tenait une réunion d'état-major avec tous les hauts cadres de l'armée du front ouest, n'existe plus. C'est officiel, Hitler, Göring et de nombreux généraux du front ouest sont morts. Simultanément, Radio Berlin diffuse sur toutes les ondes qu'un coup d'état mené par la junte militaire SS est en cours en Allemagne. Pour contrer cette tentative de putsch, l'armée des régulières et l'armée de réserve se déploient immédiatement dans toute l'Allemagne. Les centres politiques régionaux du parti nazi sont investis, les huiles sont arrêtées, les garnisons SS sont elles aussi mises en état de siège et les unités sont désarmées sur le front ouest. Au quartier général du SD à Berlin, un bataillon de la Grosse Deutschland arrête Schellenberg et Himmler. Les deux traîtres et près de 150 de leurs acolytes sont immédiatement fusillés pour haute trahison. Les bougres clameront leur innocence jusqu'au bout. En début d'après-midi, alors que la mort d'Hitler est déjà officialisée, en Suisse, l'ambassadeur allemand Helmut von Richter contacte son homologue britannique et lui transmet un téléx signé par tout le nouveau gouvernement allemand. Le 18 juin 1945, à partir de 10h, toutes les unités allemandes sur le front ouest lèveront le drapeau blanc, les unités seront désarmées, les officiers conserveront leurs armes. Les unités du génie commenceront à mettre en place des ponts sur le Rhin afin de faciliter le transit et l'arrivée des troupes américaines. La Luftwaffe sera clouée sur ses aéroports et les personnels au sol et mécanos désarmeront les avions afin d'éviter tout décollage intempestif. Dans l'Atlantique, les U-boats feront surface, hisseront le drapeau blanc et prendront la direction du port allié le plus proche afin de s'y rendre aux autorités portuaires. Messieurs, la Seconde Guerre mondiale en Europe est terminée. Donc les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite game, hein? Ça a été extrêmement bourrin, il y a eu beaucoup de pertes. Vas-y, fais-nous un petit compte-rendu des pertes d'ailleurs.
Iron Youngstart. Alors, d'accord. Alors, pour les pertes subies, la palme, bah, c'est pour moi avec l'URSS. Hein. Je me suis pris. Alors, c'est 10 millions de morts. Putain, oh, la vache, quand même. Ah oui. L'allemand est à 6,6 millions de morts. Ouais, pas mal, quand même. Voilà, le chinois à 5,7, le japonais à 4 millions de morts. 4 millions le Jap. Voilà, les États-Unis 3 millions. Oh, putain, et ensuite, c'est le Royaume-Uni à 2,8 millions de morts. Pas mal, 4, pas mal. T'es là bien saigné, ton gros bip, hein. GG à vous deux, et à Akina aussi, hein, qui a fait le début de game avec l'allemand. Je pense que tout le monde a bien joué, mine de rien, à part Kina qui a fait de la merde un peu quand même, mais bon, il avait moins d'expérience en multi que nous, donc forcément, ça a pas été évident, hein, la campagne de France, welcome bitch. Non, je pense que tout le monde a fait des erreurs, les erreurs en multijoueur ne pardonnent pas, faites des erreurs, vous avez tout de suite la punition, et la punition, une petite erreur pour vous faire perdre la game. Je pense que la palme d'or revient quand même à Youngstar qui au final perd la game à cause d'un choix stratégico-industriel de mettre de l'artillerie à ses divisions. Ah, ça a été la pire, ça a été ma plus grosse erreur. Ça, je le savais, et j'ai exploité ça à fond au printemps 41, et même si j'ai pas battu l'URSS au printemps 41, ce qui était impossible, hein, j'ai fait tellement de pertes que je l'ai empêché d'être efficace sur ses futures attaques en 42 et en 43, et que moi, j'ai pu attaquer très fort. Mais au final, Youngstar perd la game juste à cause d'un choix, d'un mauvais choix stratégico-industriel avant 1941. Moi, en tant qu'Italien, j'ai été très très ambitieux, mais je suis joueur, hein, je suis pas là pour. Je voulais pas rester caché en Italie. J'ai sous-estimé 4 et il m'a puni, il m'a puni magnifiquement, puisque je perds quand même 30 divisions d'infanterie à El Arish, là, dans ce coin-là, à Port Saïd et compagnie, après une très très belle guerre. Donc 4 GG au début avec l'anglais, t'as très bien géré, t'as muselé la flotte, tu m'as tourné en bourrique au Moyen-Orient et tu m'as forcé à la défensive. Et ensuite, c'est le débarquement d'Espagne. Ah ouais, ça, le départ de Mandel. Non mais, comme je dis, on a tous fait des erreurs, et quand on fait une erreur à Darkest Tower en multi, on fait pas save, on fait pas reload, tu prends ta bifle, et t'as le moral dans les chaussettes pendant une bonne heure, tu parles pas, tu fais la moue, tu regardes les pertes, et au final, on se redresse et machin. Comme je dis, on a tous fait des erreurs, on a tous eu notre chance, ça a été une très bonne game, tout simplement. Oui, donc pour ceux qui l'ignorent, lorsque vous jouez américain, vous avez une option à la déclaration de guerre du japonais. Vous allez avoir un event et l'AI va vous demander si vous voulez que l'AI japonaise devienne une AI brutale. Et pour vous donner un exemple, l'AI brutale a aussi tenté de débarquer en Alaska, a débarqué, s'est emparé du Yémen, bouffé, a débarqué en Irak, a débarqué en Afrique, a annexé le Libéria, est parvenu à débarquer en Australie, à Darwin. Et a toujours une flotte conséquente, puisque il arrive à tenir tête à l'américain et à l'anglais. Bon, même si maintenant il va prendre des nukes et que toutes les divisions vont foutre le camp là-bas. Mais l'AI japonaise est vraiment sympathique à jouer. Hein. Merci à vous deux d'avoir participé. Hein. On a fait deux fois des belles games. Hein. Quand je vois la progression, la marge de progression que vous avez eue maintenant, et quand vous avez pris le chinois et le japonais, je me dis que c'est pas les mêmes joueurs, quoi. Vous avez vraiment. Ah bah, là, franchement, on a appris à la dure, et d'ailleurs, Kat, il l'a montré, hein, quand même. Vous avez progressé puissance 10, hein. Là, vous êtes plus à sous-estimer maintenant. Voilà, ah, que ce soit sur mer, moi j'ai pris maleçon avec le japonais, sur terre, je l'ai pris avec le russe. Maintenant, je ferai pas les mêmes erreurs. Ah non, ça, c'est clair. Kat a aussi excellemment joué avec l'anglais. Hein. Oh, oui. L'anglais est pas facile à jouer du tout au niveau micro-gestion, et Kat a vraiment été excellent dans ses choix, dans sa micro-gestion, à tout. Les débarquements sneaky, j'ai bien aimé ça. Ah non, mais c'est comme ça que ça se joue, hein, l'anglais. Hein. T'as moins de troupes, moins de force, mais il faut être efficace à un moment. Et t'as su être très opportuniste. Je suis content de voir que t'as très bien appris de tes erreurs avec le chinois. Et maintenant, là, t'as été excellemment efficace avec l'anglais. Non, donc GG à vous deux. Moi, je suis très content de nos petites games. Hein. Les abonnés, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle sur Darkest Tower. On y reviendra tôt ou tard sur Darkest Tower. Hein. C'est un jeu qu'on aime. Hein. Y a Glaps qui revient au mois de mars, on y reviendra tôt ou tard sur Darkest Tower. Alors là, on a une saison de U4 qui est déjà bien entamée, puisque j'ai déjà plusieurs épisodes de près. Prochainement, je pense d'ici 3-4 jours, je posterai le début de la nouvelle saison sur U4, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était Kat, Youngstar et Kina, absent forcément, sur Darkest Tower. C'est la fin de notre petite game, et on vous dit à ciao ciao, merci de nous avoir suivis.